Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors, cette fois, on va vous présenter un peu de gameplay de Shadow of the Colossus qui est ressorti récemment, totalement remasterisé sur PS4. D'habitude, on vous fait un Prestart, soit on vous fait les premières minutes de jeu, les 15 premières minutes de jeu, soit du gameplay. Là, on a fait un mix, parce que c'est quand même un ancien jeu. Donc, on voulait juste vous montrer quelques petites images et vous représenter le principe. Et là, je vous laisse tranquillement pour pouvoir apprécier justement le début du jeu. On ne vous a pas laissé toute la cinématique de début, mais on a voulu quand même vous montrer à quel point c'était joli. Pas mal, n'est-ce pas? Donc là, voilà, on vous a présenté quelques minutes du début du jeu. Alors, c'est un monde qui fait tout de suite penser évidemment à The Last Guardian et Ico, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont instigatrices de ces jeux-là. Donc, c'est tout à fait dans la même ambiance. Donc, nous voilà quelques minutes après dans le jeu. Il a déposé la jeune femme qui est avec lui sur le cheval sur cette espèce d'hôtel. Et l'idée, c'est qu'il veut la sauver, et pour la sauver, il va falloir qu'il abatte 16 colosses qui sont comme des divinités, si vous préférez. Donc le jeu totalement remasterisé, et on n'est pas déçu, hein. On est très loin des jeux qui subissent uniquement un lissage de base. Là, clairement, bah, les développeurs se sont mis au boulot, et cette fois ils ont refait le jeu, hein, tout simplement. La structure est la même, le jeu est le même, mais par contre graphiquement c'est juste impressionnant. Juste impressionnant. Et on retrouve l'esprit du jeu d'origine, à savoir surtout une direction artistique assez impressionnante, encore une fois, une inspiration, des lumières magnifiques. Donc le jeu tel que vous voyez là a été testé sur une PS4 classique normale.
et c'est plutôt pas mal. Alors, je vais avoir une épée, et cette épée au soleil va m'indiquer la prochaine cible. Donc, je vais enchaîner en gros les colosses qui ont des espèces de boss, de gros boss, et donc voilà, le colosse est là-bas. Alors, notre ami peut sauter, s'agripper. Il a un arc aussi. Bon, là, je la fais un peu violent, hein, je la fais un peu bourrin. Il a un arc aussi et un cheval, qui va lui permettre de pas courir des longues distances, parce qu'il va falloir de temps en temps vraiment passer un peu de temps à chercher le colosse. Il peut aussi esquiver par une roulade. Voilà, donc là je fais un peu le tour. Alors, je n'avais pas joué au jeu d'origine, j'en avais entendu parler comme tout le monde, j'ai regardé un petit peu les vidéos. Pour pouvoir faire le comparatif, c'est vraiment, il y a une différence énorme. Voilà mon cheval. Et puis sur le gameplay, bah, ça me permettra de vous donner un avis qui n'est pas trop empreint des traces du passé, qui est plutôt un avis d'un joueur d'aujourd'hui qui va découvrir ce titre. Pour éviter d'être uniquement dans la nostalgie, à se dire ce jeu était génial lorsqu'il est sorti sur PS2, il est encore génial aujourd'hui. Là, je vous en parlerai de manière très objective. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que le jeu est vraiment très bien, même si effectivement il y a quelques petits manques dans le gameplay, ça manque aussi un peu d'animation, on verra dans notre test, mais voilà, c'est quand même un jeu qu'il faut faire, un jeu qui est à part, très particulier, et qui apporte des moments de jeu très, très sympathiques. Voilà, là je piétine un petit peu parce que évidemment j'étais au début de mon exploration du titre, donc je me demandais comment on faisait, et c'est parti pour aller voir notre colosse. Donc c'est fluide aussi, hein, vous pouvez le remarquer là quand on est à cheval. La ligne d'horizon est bien foutue, voici la carte. On a toujours cette impression d'immensité et surtout d'être vraiment tout petit par rapport au reste, et ça va pas s'améliorer avec les colosses. Alors justement, voici le premier colosse. Alors l'idée c'est de pouvoir grimper dessus. Alors je révèle rien, hein, parce que le problème c'est que les colosses, faut trouver comment on peut les atteindre, comment on peut les abattre. Donc je vais quand même pas vous gâcher le plaisir, mais celui-ci c'est le premier. On sait assez rapidement que son point faible c'est au-dessus de sa tête. Eh ben, il faut s'arranger pour grimper sur lui. Et notre ami peut grimper sur les parties notamment poilues. Bah oui, ça fait penser évidemment à The Last Guardian. Donc voilà, j'étais déjà arrivé au-dessus. Je me suis fait éjecter. Et donc là, je vais pouvoir y retourner. Voilà, en tapant dans son mollet, je l'ai un peu immobilisé. Il n'a pas trop apprécié, ce qui m'a permis de progresser un peu. Alors j'ai une jauge d'endurance, hein, comme il y a par exemple dans Zelda, pour ceux qui ont joué. Là je vais tomber encore une fois. Non, c'est bon. Donc cette jauge se remplit dès que je suis sur le plancher des vaches. Donc c'est pratique ces petites passerelles. Plateforme, voilà, j'ai fait mon boulet. Je reviens là, je reprends un peu d'endurance, et puis je vais essayer de retourner sur la tête par le dos. Pas mal aussi, hein, les effets de fourrure ici, c'est assez impressionnant.
voilà le point faible. Hop. Encore. Évidemment, il se laisse pas faire le bougre. Donc avec mon épée, je la grippe. Voilà, je reviens chercher un peu d'endurance. Et j'y retourne. Donc à chaque fois, c'est un colosse différent. À chaque fois, c'est une sorte de puzzle. Comment atteindre son point faible. Et à chaque fois, ça demande quand même pas mal d'habileté. Ça y est, j'ai quand même fini par pouvoir entamer le bestiau. Vous voyez, quand on tape sur son point faible, on enlève des parties entières de son énergie vitale. Voilà. Et un dernier coup, et ça va être bon. Et voilà. Bon, c'est un peu cruel, je sais, parce qu'en plus, ces créatures sont... ne donnent pas l'impression d'être des ennemis. Mais bon. Et dernière petite séquence vidéo, c'est juste pour vous montrer un autre paysage. Donc là, à un moment donné, on se balade en forêt pour chercher un autre colosse. Et là, c'est juste magnifique. Le travail est vraiment, vraiment très impressionnant. Regardez-moi ces éclairages. Donc là, mon épée ne donne pas la direction puisqu'il n'y a pas assez de soleil. Pas toujours évident de les trouver, les colosses, hein. Vous vous en rendrez compte. Mais en tout cas, c'est toujours agréable de se balader dans ce monde vraiment magnifique. Voilà, c'était notre prestart sur Shadow of the Colossus. Nous allons faire un test comme il est d'usage. Et puis, nous vous disons à bientôt sur MaxoTV.